Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un shrub, donc une liqueur qui nous vient des Antilles. Donc pour réaliser cette liqueur, il nous faut du rhum blanc, donc 1 litre de rhum blanc, des oranges, une gousse de vanille, un bâton de cannelle et un clou de girofle. On se munit d'un économe et on vient donc prélever le zeste d'orange en faisant attention à ne pas prendre la partie blanche qui est très amère. Donc, une orange va être suffisante parce qu'elles sont assez grosses. Donc, maintenant que j'ai pelé mon orange, je mets mes zestes sur une plaque de cuisson que je vais venir faire sécher au four à 30 degrés. Donc maintenant on vient prendre notre gousse de vanille, donc on vient la couper en deux. On ouvre notre bouteille de rhum, donc 1 litre de rhum. Donc on vient y ajouter la vanille, un bâton de cannelle qui va venir parfumer la bouteille et un ou deux clous de girofle. Voilà. Donc maintenant, il ne nous restera plus qu'à ajouter les zestes d'orange. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller sortir les zestes d'orange du four. Donc ils sont restés pendant 30 minutes pour sécher. Donc maintenant, on vient ajouter nos zestes, qui sont complètement secs, dans la bouteille. Donc voilà, c'est terminé. Pour l'instant, on attend 5 à 6 jours pour que ça s'infuse et on n'aura plus qu'à rajouter du sucre de canne. Donc voilà, notre liqueur a macéré pendant plusieurs jours. Il nous suffit aujourd'hui de la filtrer. Donc, on ne garde que le liquide. Ça a bien parfumé. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter les 50 centilitres de sucre de canne. L'idéal, c'est d'avoir une carafe ou une bouteille avec un couvercle hermétique pour pouvoir la conserver plusieurs jours. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne dégustation.